Bienvenue dans cette vidéo. Samedi 29 janvier 2022, je suis en live Twitch sur la session playtest de Unity Station en version 22.01.2917. Ayant mis quelques secondes à me connecter, tous les rôles sympas sont déjà pris. Je choisis donc agent de sécurité. La session démarre, j'équipe naturellement mon ticket dans mon PDA pour gagner un emplacement. J'équipe mon oxygène. Et je me prends dans un casier un extincteur d'urgence au cas où. Puis je fouille dans ma ceinture pour chercher mon bâton électrique, l'activer et le ranger. Je me dirige ensuite vers le bridge où je pourrais récupérer le reste de mes effets. C'est alors que je vois un poste de sécurité ouvert. J'inspecte rapidement les lieux, je prends un papier pour faire un rapport, puis je continue mon chemin. Et oui, j'ai oublié de bouger ma tête sur le stream. Open up. Never mind, found it. Omnigi protects. En me rendant au bridge, je croise ce mec. Et je ne sais pas trop comment, il a trouvé un taser et il s'amuse avec. Le capitaine me court après et ben moi j'ai pas de taser. Je me mets donc à suivre le capitaine. Il doit sans doute savoir ce qu'il doit faire et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me demande de choper ce mec. C'est pas très très précis. On le retrouvera quelques mètres plus tard, entouré d'un comité d'accueil composé de plusieurs agents de sécurité, du chef de la sécurité et d'un détective. En suivant tout ce petit monde, j'arrive au brig et donc à mon équipement. J'en profite pour déposer mon rapport. Le warden me explique qu'il a paumé son badge et qu'il ne peut pas ouvrir la vitre. Je vais donc attendre les 20 prochaines minutes. Pendant ce temps, le reste de l'équipage débat de la peine du nouveau prisonnier, savoir s'ils vont l'exécuter ou pas et dans quelles circonstances. Le warden finalement sort de son bureau pour aller faire une inspection et m'a complètement oublié. Je vais donc lui rapporter mon rapport et lui demander son avis. En arrière-plan, on entend des tirs, mais on s'en inquiète pas plus que ça.
Heads up, the curator just left the med bay despite high toxicity levels. He may have beefed the bartender and also shouted to waste access. Thanks. Thank you kind. Live. NGs, could you fix my bomb door? Stop shooting. Randy attacked me. Get the yacht. I surrender. Get. Yo ass. Our. Après plusieurs minutes, l'équipage a réussi à récupérer le forcené et commence à le tabasser au sol, gratuitement. Moi, je récupère mon taser et puis je vais commencer ma vie. Dans cette version, on doit manger assez régulièrement, sinon notre corps ralentit. Je m'attaque ensuite à ma demande de mutation pour être assistant du chef du personnel, Hope, parce qu'il y en a déjà un. Une fois le document signé par mon responsable, le Warden, je dois le faire signer par le chef du service, c'est-à-dire le chef de la sécurité. Juste à côté du bridge, je trouve le chef du personnel menotté et attaché à une chaise, me demande de l'aide. J'essaie de l'aider tant mieux que mal, je vérifie son badge et je retourne chercher le os. J'en profite pour prendre quelques barres de céréales au passage. Et le chef du personnel me donne une arme qu'il aurait trouvée. Je la rapporte donc au bridge, à l'armurerie. Je croise le capitaine et je lui demande s'il aurait vu le os. Au passage, j'en profite pour engueuler le avocat qui est complètement nu. N'ayant absolument pas suivi la conversation, je vois le clown essayer d'accéder à l'armurerie et je fais en sorte de lui bloquer l'accès. Le capitaine m'explique alors qu'il n'y a pas de hausse à bord et que bah, du coup, ma mission est quasiment un échec. Je repars donc en patrouille quand une coupure de courant survient et les lumières s'éteignent. Je recroise alors l'armurier, le Warden, et je lui dis que j'ai retrouvé son shotgun. Je lui ai remis à l'armurerie. L'électricité revient progressivement dans la station, et avec le Warden, nous nous dirigeons vers la Med Bay, où apparemment ils ont encore des sauts de tension. Nous voilà donc enfermés en partie dans la Med Bay, certaines pièces nous étant inaccessibles, à moins d'avoir des outils. Du coup, on tourne un peu en rond et on essaie de s'occuper des patients comme on peut, quoi. D'autres patients arrivent, je ne sais pas ce qui se passe dans la station, mais il y a beaucoup de blessés. Donc à tour de rôle, on leur fait des massages cardiaques en attendant que les toubibs se sortent les doigts du cul et commencent à les soigner.
Un antagoniste aiguisé en ingénieur rentre dans la pièce et jette une grenade au milieu de la pièce. Je ne le remarque pas tout de suite et j'explose. Bilan, 4 personnes à terre, donc possiblement un ou deux morts. Et je vais devoir attendre encore 5 à 10 bonnes minutes qu'on me réanime. Étonnamment, je suis en critique et non complètement mort, alors que j'étais sur la grenade. Le seul médecin encore en vie et encore réveillé pète un plomb parce qu'il n'a pas d'électricité et qu'il se retrouve avec encore plus de patients qu'il en avait déjà. Courage à vous ceux qui jouaient à un médecin. Le premier à être animé étant le chef médical opérateur, qui est logique puisqu'il va permettre de soigner plus de personnes. Je suis finalement extirpé de cette pile de cadavres, poussant un grand cri et terminant de me soigner moi-même. Pas sûr que ce soit totalement RP, mais bon, j'avais une trousse de soins et les médecins sont un peu débordés. Ayant eu l'impression d'avoir été abandonné au milieu d'une pile de cadavres, je décide de scanner certains corps pour vérifier s'il n'y en a pas un comme moi qui n'aurait pas été vu. Puis, puisque personne s'en occupe, je fais le ménage. Because CENTCOM, shot asking, CENTCOM, so that I'm gonna go away to some organs to see that. Une petite pensée pour les joueurs que j'ai mis dans un sac. Je suis désolé, mais par contre c'est pas moi qui vous ai buté. Le détective arrive pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je lui explique en un mot, ça fait boum. Et puis je repars. La situation actuelle est qu'il fait noir. On ne peut faire confiance à personne, les distributeurs sont vides, il y a des bruits étranges dans la station, et je suis sans doute un des rares agents de sécurité encore en vie. Je décide de me rendre à la cafétéria, je croise un homme qui semble assoupi, je le tire par le bras pour essayer de le rapprocher de la zone d'évacuation, qui, à mon avis, ne devrait pas tarder à s'activer. Je passe un petit moment à tirer ce gars derrière moi, je suis complètement paumé, cette map je la connais pas et du coup on se met à tourner en rond pendant un petit bout de temps. Je trouve finalement un distributeur libre service qui vend des glow sticks et j'en place quelques-uns dans le sol pour faciliter l'évacuation. Arrivé à la zone d'évacuation, celle-ci est fermée et condamnée, apparemment elle aurait explosé. Fait amusant pour être signalé, Yann, le chien du chef du personnel, considéré comme un officier supérieur, a été retrouvé enfermé dans une salle et celui-ci le cherchait. Donc je le signale à la radio qu'il est en sécurité. C'est peut-être la seule bonne nouvelle de la journée.
L'évacuation ayant duré trop longtemps, la partie se termine et le serveur va redémarrer. Plusieurs antagonistes étaient présents sur la carte et ont plus ou moins réussi leurs objectifs. Merci à eux d'avoir pourri ce playtest. Comme d'habitude, la partie se termine dans un joyeux bordel. Durée totale 1h04, latence moyenne du serveur 300 millisecondes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas le petit pouce.